Comme chaque mois, voici un nouvel event de la MC4 Team. Les events sont ouverts à tous. La date du prochain vous sera bientôt délivrée. L'IP du serveur que l'on utilise est dans la description. Hors event, ce serveur est dédié à la survie. Dans le cadre de la série Minecraft Stoffer saison 5, toutes ces informations sont disponibles dans la description. Il y a un petit lien qui mène à notre site qui explique tout ce qu'il y a à savoir. Le serveur traverse une petite phase d'inactivité. Je vous invite d'autant plus à le rejoindre parce que non, il n'est pas mort. Et il y a encore plein de choses à faire dessus. On n'a pas encore fait le dragon. Tout reste à construire, tout reste à faire, donc je vous invite vraiment à venir. L'event numéro 2 du mois dernier consistait en un dé à coudre. Donc le concept du dé à coudre, c'est on a une piscine, on tombe dans l'eau, et à l'endroit où on tombe dans l'eau, un bloc se pose, si bien qu'il y a de plus en plus de blocs au cours de la partie, et qu'à la fin de la partie, il n'y a quasiment plus d'eau dans laquelle tomber, et le dernier qui survit a gagné. Un concept très simple, inventé il y a bien longtemps de cela par Bob Lennon. La map que l'on a utilisée, la redstone a été faite par moi, elle peut tourner entièrement en vanilla sans plugins. Quant aux builds, ils ont été assurés par ce très cher tuteur. Tutur est membre de la team du build du projet Landscape, un projet de serveur RP que je soutiens fortement et que je vous invite à découvrir. Un lien sera également présent dans la description, c'est du lourd niveau construction. Voici la rediffusion de l'event de mon point de vue, enjoy. Bonjour les Minecraftiens, ici CLB35 pour un nouvel event, et désolé pour le bruit de micro, event avec la MC4 Team. À ma tête c'est du fake, je sais, mais on a autorisé les versions craquées sur le serveur, ceux qui créent ce petit désagrément. On y voit pas grand chose, certes la map est magnifique, mais du coup je me permets quand même de retirer le shader. Ou bien j'en mets un autre. Voilà, celui-là on y voit déjà un petit peu mieux. Donc, nouvel event, on est en présence de Tutur. Ah bah qu'est-ce qui se passe Tutur? Tutur a son micro coupé, je crois qu'il doit être sur Skype avec un autre de nos acolytes, Charge Noble, qui donc du coup ne pourra pas répondre non plus parce qu'il est encore dans sur ce bouton. Laisse-moi finir mes phrases et j'ai fait des tests, on peut pas appuyer dessus. Sauf si on a du jump boost comme moi. Et donc du coup je disais Charge Noble qui doit être en discussion avec Tutur pour revenir sur le Discord d'une minute à l'autre. On est également avec Girls Friends, bonjour. Bonjour professeur. Et donc on est avec le professeur CLB, le monsieur Fanax et le Tinjov qui sont de fiers MC4 depuis le tout début, c'est-à-dire il y a plus de 2 ans et demi. Aïe, je me suis fait mal. Putain, je me suis fait mal. Bon, on est tous en game mode 2. On est tous sur une map de Dacoudre dont le lien de téléchargement en description, on a tout fait nous-mêmes, donc moi j'ai fait toute la redstone parce que tout est vanilla. Et pour ce qui est des builds magnifiques que vous voyez autour, d'ailleurs Tinjov est impressionné, il disait avoir trouvé son maître, c'est du terraforming et du build qui nous est fourni. Non, mais mon maître, il y en a tellement, hein. Il y en a tellement, LanguageCraft, tout ça. Ouais. Mes maîtres, ils me dépassent de là. Il faut savoir qu'il y a des contacts parmi les builders du Fantabob War. Je dis ça, je dis rien. Donc c'est voilà. Des constructions de tuture. Et on va commencer l'event immédiatement parce qu'on perd notre temps en palabre. Il y a un peu moins de monde que pour le précédent event, oui, mais ce n'est pas bien. Oui, attention, on va commencer la partie. Bonjour. J'ai réussi. Mais t'es un con. Bon, bah écoute, on commence l'event maintenant. Hein. Et les challengers sont... Tutur. Mr. Fanax. Girlfriends. Charles Noble. CLB, Monster Lava, Exceldo, Tinjov et BS. Let's go! Le dé à coudre, hein, l'ordre est aléatoire, on ne peut juste pas jouer 2 fois d'affilée. Moi, je vais faire le tug, je vais prendre plein de risques pour vous laisser une petite chance de gagner. Je pense que du coup, on va faire en une manche parce que sinon, ça va s'avérer un peu long. Vu qu'on n'est pas super nombreux. Tu peux parler plein de risques, hein. Tout à l'heure, t'as dit réussir sans risque. On t'entend pas super bien, Tinjov, mais bon, c'est pas bien grave. J'ai réussi à commence à avoir l'habitude. Ouais, donc, j'ai réussi à bugger. Charles Noble, si je me trompe pas, c'est EDAC sur Discord. Une prestation explosive. Plouf. Voilà. C'est mon tour. Et franchement, vous voyez, avec la ça va super vite, le serveur ne va pas du tout, c'est génial. Tout s'enchaîne à une vitesse folle dingue. Je vais pas prendre les dés à coudre pour commencer, je vais me contenter de les ouvrir et d'essayer de vous laisser des chances de les avoir. Donc vous voyez, il y a plus de monde sur le scoreboard qu'il n'y a de... Je vais pas tester sur le côté là. Encore ne prenez pas trop de risques au début, il faut quand même que la vidéo dure plus de 5 minutes. Si jamais il y a trop de monde. Si jamais je gagne trop vite, le mec sans prétention, et bien on fera d'autres manches. Si jamais je gagne trop vite. Est-ce qu'il faut un minimum de jeu? Se moucher ou éternuer dans son micro quand déjà notre voix lagouille un petit peu de base est fort déconseillé pour l'intégrité physiologique et auditive des gens qui vous écoutent. Ceci était un message du ministère de la Santé.
Ah, c'est à moi de jouer? Oui, c'est à toi de jouer. De rien. Donc n'oubliez pas que les events se font tous les mois sur le serveur de la MC4 Team. On vous prévient bien à l'avance à chaque fois. On publie une vidéo d'annonce une semaine avant. Et le jour même, on publie un trailer de la map en question. Normalement, toutes les maps seront nous, sauf si on n'a vraiment pas le temps. Donc du coup, voilà, on vous... Ah putain, j'ai lagué. Mais ça ne m'a pas empêché de faire le coup que je voulais faire. Je vais essayer de faire des 360, des trucs un peu rigolos. Parce que oui, le dé à coudre, ça me connaît. Donc... Oulala. Ouais, j'ai pas voilà, donc belle win de Charles Nobile. Je veux rester le plus loin possible. Je veux rester le plus loin possible. Si, par exemple, Gersen s'est mort un certain nombre de fois à l'entraînement, pas la peine de prendre trop de risques. Hein, faut pas. Le dé à coudre, le secret, c'est de pas aller au-dessus de son niveau. Mais... En fait, je voulais essayer à chaque fois le dé à coudre sur le côté. Ouais, celui que j'ai ouvert là. J'adore l'ouvrir celui-là, c'est mon préféré. C'est mon petit chéri, ce dé à coudre là. Il suffit d'aller sur le bord et de calculer son coup précisément. Et là, pendant les trois quarts du saut. Et c'est le dé à non. C'était une magnifique try, c'était une belle tentative. Malheureusement, un échec. Donc, Girls Friends, première éliminée. Et je note sur mes rushs Skype. Skype, n'importe quoi, Fraps. Girls Friends est éliminé à ce moment précis. C'est au tour de Tingeoff. Après, après, c'est. Oui. Strider Girlfriends qui est actuellement voilà. En game mode 3. Charles Nobile est là. Donc on attend d'autres joueurs, mais malheureusement les gens semblent pas super motivés. C'est pas très grave parce que bon, il y a pas grand monde, mais au moins on est là et on s'enjaille, ma foi. Et au moins c'est un petit peu moins la galère d'organisation qu'on avait la dernière fois. J'étais un petit peu kikoulant de la dernière fois. Là on est entre nous et ça fait vraiment plaisir. Une bonne vidéo de la MC4 à l'ancienne avec du monde, mais aussi beaucoup d'intérêt et de fun. Wow. Eh oui. Tingeoff, t'as pris du risque, mais c'était pas mal. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? T'as pas pris le dé à coudre, mais au moins t'as survécu. On tente le dé à coudre, on tente. Ah non. Oh. Le deuxième éliminé, après moi. Shanax, deuxième éliminé. J'ai tenté le même que Girls Friend, j'ai raté le même que Girls Friend. Bon, vous êtes vraiment des losers. Et donc voilà, il y en a 3 d'ouvert sur la map actuellement. À mon prochain tour, j'en prends un. J'essayais même pas de viser le dé à coudre en plus. Le pire, d'accord, c'est ça. Mais... t'aurais dû, parce que quand tu vois que t'es plus près du dé à coudre que de n'importe où ailleurs, faut pas essayer de continuer à avancer, faut essayer de le prendre. Sauf si évidemment on s'en sent totalement incapable, mais si c'est la panique. Donc là, c'est à moi de jouer, je vais prendre un dé à coudre, je vais peut-être en prendre un peu dur parce que par exemple celui sur lequel vous êtes tous morts. Comme ça, ça me donne allez, un peu de le crédit. Le fake de CMV. Bien sûr, Bien sûr que non. Avant, ce que je faisais, en gros, c'est que vu que notre curseur il va vers le bas en chute pour simuler un effet de chute, je me décale comme ça de 90 degrés sur la droite, de manière à faire essayer de croiser. C'est impossible à expliquer, mais ça permet d'être sûr de tomber dedans, malgré les effets de perspective et de chute, tout ça. Mais le problème, c'est que ça prend un peu de temps. Mais là, vu la distance de la chute, on pourrait se le permettre. Je n'en prends pas un deuxième, vu que je suis tombé comme une merde alors que j'étais en sneak. Mais à mon prochain tour, j'en prends un deuxième. Sachant que le but du jeu, je ne vous l'ai pas dit évidemment, mais c'est le but du jeu d'un dé à coudre classique. Là, je peux en accumuler jusqu'à 5. En gros, il faut essayer de survivre. Le dernier qui survit gagne. Et quand on va dans un dé à coudre, ça nous donne une chance de survie en plus. Si jamais on se scotche contre un bloc alors qu'on a un dé à coudre, bah, ça nous l'enlève et on a un petit effet de lévitation pendant quelques secondes avant de retomber. Donc, au tour de Charles Nobile. Un joueur, ma foi, explosif. Hey, je l'ai déjà faite, celle-là. La deuxième fois, c'est plus drôle. Ouais, mais c'était pas en vidéo, la première donc fois, voilà. C'était drôle, mon sondage. Bah si, c'était en vidéo, en plus. Oh, bah. Oui. C'était en vidéo, bah j'ai pas écouté, pas, j'avais autre chose à branler. En même temps. Et je vais essayer de pas regarder où je vais atterrir. Oui. T'es un con. c'est juste la pire chose à faire quand on n'est pas sûr de soi. Et surtout que la piscine commence à être un petit peu remplie, là on peut plus sauter vraiment au hasard. Vous constatez que la map est magnifique. Bon, malheureusement avec les aspects terraforming, il y a certains blocs d'herbe, si on regarde attentivement, qui sont pas super raccords. Hein. Mais le problème c'est que normalement ça aurait dû s'arranger avec le cycle naturel des choses qui fait aussi que les feuilles tombent et que l'herbe devient de la terre quand elle est en dessous d'autres herbes. J'ai gagné. Ce dé à coudre, donc du coup c'est compliqué ces explications, mais en gros pour tout dire, en fait si on mettait ce cycle, je m'entends en écho et surtout les feuilles se désagrégeraient comme pas possible, ce qui ferait cracher le serveur au bout de 2 minutes. Tu tures, on sait quelque chose. Hein. Donc du coup on préfère éviter. Ne regarde pas où j'atterris. Et c'est une belle win de Tingeoff. Ce que je propose, c'est que vu qu'on n'est pas très nombreux, on pourra peut-être essayer de faire d'autres manches après. Charles Nobile. Bon, en même temps, on va pas faire un event d'une manche, c'est un peu. Un event d'une manche, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, ceci dit, Ouais, mais enfin, c'est un peu naze un event d'une manche. Au pire, après, on change de map et on prend une autre map d'une manche. Écoute, mec, c'est pourquoi qu'on fait plusieurs events, à ton avis.
et pas un seul. Si ça, ça avait été le seul event de l'histoire de la MC4 Team, ça aurait été un peu décevant. Non, mais là, la chaîne. Bon, là, je vais enlever mon shader. Tu sais pourquoi ? Parce que je lag un petit peu à cause de Fraps. Dans ma 3, j'arrive à faire des DA. Ouais, c'est un peu à cause de. C'est uniquement à cause de Fraps que je lagouille en fait. Mais là, ça va être un petit peu mieux déjà, et puis ça me permettra de mieux voir le terrain aussi. Vous avez bien profité de la map, hein, et vous pouvez toujours en profiter d'ailleurs dans le trailer. Le prochain event, on n'a pas décidé ce que serait, mais on n'a pas décidé la date non plus, mais ça viendra d'ici un petit mois, a priori. Et j'espère que vous enjaillez bien. Mais j'en ai marre de jouer une fois sur deux. Ah bah, c'est l'aléatoire hein, qui fait ça. Oh, tu lags un petit peu. Non, j'en ai marre de me prendre à l'aléatoire. Ah, c'est le lag. Je me vois faire quelque chose, je rollback. Ah oui, non mais on t'a vu rollback, là, pour le coup. Si j'étais toi, je prendrais pas trop de Zakun, ça paraît un peu abusé comme risque. Moi, par contre, je fais ce que je veux. C'est le bah oui. Est-ce que je rêve ou est-ce que j'ai le monopole des dés à coudre et réveillez-vous. Tutur et je peux difficilement me réveiller. Et Tchernobyl. Tutur a son micro coupé d'ailleurs depuis le début, hein, mais je sais pas pourquoi, comment on l'avait entendu avant. Alors pour une raison inconnue, je peux sneaker, mais c'est tout. Je ne peux plus bouger, je ne peux plus sauter, je ne peux plus rien faire. Je suis trop laid. Comment ? À la prochaine manche. Bonjour, merci CLB, je suis coincé pour l'éternité maintenant. T'es en bas de la map. Bah en fait je suis dans la piscine et je suis bloqué. Mais vu que t'es mais c'est moi quoi. Vu que c'est toi qui joues, tu ne vas pas les prendre. Et on fera d'autres events sur cette map, je pense, quand on aura plus de map à disposition d'ici 4 ou 5 events ou peut-être attends, un peu moins d'ailleurs. Je rentre dans ta tête. Voilà, je joue avec toi. Alors donc du coup. Oh non! Tu m'as déçu. Choqué et vraiment déçu. Oh non, attends, je fais éliminer. Putain. Bon, moi je joue avec Tchernobyl qui la joue safe. Il n'y a plus que moi, Tutur et Tcherno. Tchernobyl. Eh oh! Oui. À la prochaine manche, CLB il avait fait vomi. Ouais, je vous propose d'adopter. Il fait bourré. Oh, comme attention. Ça lui donne des challenges en plus. C'est beau, je porte la poisse aux gens. Bon, il reste plus que moi, il est une dure. Rentre dans CLB. Rentrez tous dans CLB. Et si je ne vous autorise pas. Si je ne suis pas consentant. Voilà. Je prends des coudes, mais vu que j'ai déjà le maximum, ça m'en redonne pas d'autres. Je vais prendre des risques parce que de toute façon, j'ai de la marge. D'ailleurs, actuellement, je suis posé, je suis affalé dans mon siège et je regarde, ça doit être Tutur du coup, qui tombe. Et qui fait un dé à coudre. Eh, bien joué. C'est beau. Toutes mes félicitations, Tutur, t'as un effet en plus. Fail, je vois la vue de CLB. Pour la première fois. Il a un jump boost, CLB. Oui, j'ai un petit jump boost, c'est normal, c'est parce que c'est le seul moyen d'appuyer sur le bouton. Sauf quand t'es un gros enfoiré qui essaye de glitcher. Mais non, mais c'est, cheat, j'ai un jump boost 1, ça m'aide absolument pas dans un dé à coudre. Il cheat, on doit me donner une deuxième vie. Ah, oh, Tutur, c'est fait niquer. Voilà, c'était le dé à coudre qui n'a pas duré longtemps. Tutur, René. Non, c'est la René. Oh merde. Oh merde, oh le con. Oh la chance. Le visiteur du tutu. En plus, le visiteur du futur, j'ai vu cette série, j'ai regardé en 5 jours et c'était les 5 derniers jours là. J'ai rattrapé tout mon retard sur la série, j'ai regardé saison 1, 2, 3, 4 en boucle. Enfin, pas en boucle, non, mais à la suite. Et le visiteur du futur, c'est une putain de bonne web série. Et c'est cool. Hein. Il y a plein de caméos dedans, à commencer par. Oh! Et ben, c'est une victoire. J'ai gagné cette première manche. Oh! Manche avec effet. Non, pas de Wiggins, merde. Jeu palpitant, je comptais attendre. Ce que je peux faire, c'est on fait une manche 2. Si je la gagne encore, bah j'ai encore gagné. Si c'est quelqu'un d'autre, on fait une finale en 1v1. Donc je me dis, hein, au montage, je repère tout ce que j'ai dit avant. Voilà, bref. Donc du coup, là je me mène au ZA. Si je gagne, c'est génial et c'est quasiment impossible, putain. Et si je perds, j'affronte le gagnant de celle-ci dans une manche finale et c'est moi ou l'autre gagnant qui gagnera cet event. Allez, donc du coup, on fait une nouvelle manche, c'est ce bouton-là. Ouais, alors, oh bah ça n'a rien, c'est du tout. Dites-moi bon, voilà. Quoi je ressemble quand je fais ça.
Nausea 99999. Un trou. Putain. Priez pour mon âme. En plus, ça me fait laguer. Saloperie. Oui. Attention, ceci est un jump incroyable. Oh en putain, arrière. Je vous plains, mes abonnés. Mais je rêve. Putain, mec. Sérieux, même sans Nausea, même avec Nausea, c'est impossible de faire un fail à ce point. Non, mais en fait, j'ai sauté en arrière dans la piscine, ce qui a fait que j'ai tombé sur le seul bloc. Eh, c'est avec Nausea, mais c'est impossible, les mecs. À moins que j'augmente mon FOV. C'est trop beau. Can you believe it? Putain, comment tu fais? Bah, sauter, sauter en arrière, je voyais rien. Bon, je vais enlever l'effet de Nausea parce que ça me saoule. Oui. Et là, ça passe. Oh, putain, j'ai pas... c'était horrible. Par contre, ce que je vais faire, à la limite. Enlever l'effet Nausea. Render distance, je vais me mettre en render distance. Mais mets-toi en c'est ce que... Voilà, là, j'ai de la brume. Ah, et je tombe comme... Quoi? Ok. Je l'ai gagné. Je n'ai pas été éliminé, mais c'est que totalement buggé, en fait, ça ne devrait absolument pas arriver. Là, je vais prendre le temps de vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, vu que je m'étais enlevé mon effet de cécité, je m'étais aussi enlevé mon effet de résistance, ce qui fait qu'en étant re-téléporté sur le sol, sur la plateforme plutôt, eh bien, je suis mort, même si j'avais réussi mon saut. Donc du coup, je vais passer trois plombes à me débattre pour expliquer à Tinjoff que j'étais pas éliminé, mais bref. LB, tu es mort, tu es éliminé. Non, pas du tout. Parce que c'est... Non, mais j'ai totalement survécu, mais c'est en me téléportant que je suis mort contre le sol parce que j'étais encore blablabla. Ça vous paraît assez éliminé. Clair éliminé. Ferme ta gueule. Ah, je déteste quand Tinjoff fait ça. Voilà, c'est plus possible. Et donc, si je me souviens bien, c'est au tour de Girlfriends. Voilà. Girlfriend, le son de ton micro est pas super agréable, mais bon, on va faire avec. C'est pas grave, on s'en fout. Enfin, quand tu verras la rediffusion, peut-être que tu t'en foutras moins, mais... Ouais, mais au pire, tu peux traiter le son avec un logiciel derrière. Oh bah là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de récupérable. Si, avec un... Enfin, ça peut se gérer. Avec ce niveau de saturation, là. Oui. Mais en fait, mon micro, c'est celui de mon ordi. Parce que Audacity prend pas mal en charge. Faut jeter un vrai micro. Ouais, en même temps, vu la quantité de rush qu'on va avoir, je pense que ce serait une grosse charge de boulot. Et, et c'était non, donc. Non, c'est un ordre puissant, ça va tout seul. Hein. Ouais, mais quand même, si je faut que je traite la voix une à une, il faudrait que je j'isole chaque extrait de la voix de Girlfriends. Et Ben Max, je l'ai fait en marche arrière tout le long, même pas regarder sur le chemin où j'allais. Et j'ai réussi à pas mourir. Ouais, sauf que j'ai fait le saut le plus facile possible, mais du coup, c'était le saut qu'avait fait Girlfriends, donc bon. Mais genre, Discord, il peut pas te le faire, ça. Genre, juste la prochaine fois, je le fais à l'endroit. Les sons de chaque personne et puis les enregistrer sur des pistes différentes. Peut-être que si, mais si oui, j'en ai aucune idée de comment. Ah, c'est con. Parce que je filme avec Fraps, de toute façon. Hein. Ouais, et Fraps, il fait pas la différence. Du coup, si tu filmes avec Fraps et tu enregistres avec Discord, ça peut marcher. Oh là là, j'ai des petits lags et c'est... Oui, bah encore c'est une question de Fraps. Hein. Faudrait que je filme avec OBS ou avec... Attention, est-ce que je fais la même en marche arrière? Le truc de Nvidia. Je vous le demande. Est-ce que je fais la même en marche arrière? Le logiciel s'appelant le truc de Nvidia, apparemment assez fiable selon Fanax. Parce que là, j'ai des frisouilles. Plein de frisouilles. C'est chiant. C'est normal, Fraps. Ah, et c'est beau. Non, mais je fais du 80 FPS, mais sinon j'ai des frisouilles, putain. Donc du coup, c'est absolument pas l'impression que ça donne. Non, mais c'est pareil, moi aussi je fais des gros FPS, mais bon. Fraps, j'avais rien compris. J'avais atterri sur le bloc. Sur le bord du bloc, il y a une petite marge d'erreur. On l'a répété 722 fois pendant les tests, mais. Oh là là, putain, mais avec ce lag, je peux rien faire quoi. On avait eu le même problème au précédent épisode de Minecraft, vous êtes offert. Je vais enlever le smooth sighting pour voir si ça arrange. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah, tu regagnes un sauvetage en cas de fake grâce à son dé à coudre. Ah. Bah, y a plus non, mais le smooth sighting au minimum dans une jungle, c'est vraiment dégueulasse. C'est genre un green screen quoi, c'est moche. Et ça n'a même pas empêché d'avoir des freezes. Putain. Genre, tu changes le biome de la zone, tu l'as en jungle. L'herbe, quel dommage. J'adore comment ah, mais c'est... si tu tures ces fails et que ça a marché, c'est bien que l'élimination marche. Donc je vois pas le problème. Elle marche un petit peu quand elle veut, de la façon qu'elle veut. En fait.
Cette demi-finale aura duré vraiment, ça va vraiment longtemps et elle n'est pas très très palpitante à regarder pour vous. Hein. Il faut savoir que le gagnant de cette manche a donc été Tutur. Nous avons donc fait une finale m'opposant à Tutur directement. Ça a duré super longtemps. Ça a mené à la durée totale de l'event, no fake, à 1h40. Ce qui me fait un peu moins de temps de rush à dérocher, ce que je ne ferai pas parce que j'ai la flemme. Mais donc du coup, au lieu de filmer l'heure 40, la dernière demi-heure, je ne l'ai pas filmé et j'ai laissé Charles Nobile nous faire un timelapse que je vais vous présenter en conclusion de l'event et je vous dirai à la fin qui a gagné entre nous deux. Allez, c'est parti, enjoy. Oh mon dieu, il n'a plus de dé à coudre, je reprends le record. Parce que là, s'il meurt, c'est fini. Oh, j'ai gagné. J'ai gagné, on a quasiment rempli la piscine. Vous l'aurez vu sur le timelapse que je vous ai passé entre temps là. Et en plus du best-of, on a eu BS, Exceldo qu'on adore et Monster Lava 72 qui d'ailleurs est peut-être un membre de Ricabrac avec un pseudo différent qui se sont pointés entre temps. Ça a été vraiment un event très très long. Putain, il est 16h38, on l'a commencé à 15h. Mais ça, c'est gagné. J'ai gagné. J'ai 94,5 Go de rush pour le timelapse. Et j'en ai sans doute beaucoup plus. Bon, bah, j'espère que ça vous aura grandement plu. En tout cas, on a pris un plaisir assez intéressant à le tourner, même si ça tournait un petit peu en rond vers le milieu de la partie. La fin s'est vraiment montrée plutôt intéressante. On a eu un timelapse de qualité, enfin, je suppose, j'ai pas encore vu, bref. Et un event de qualité, donc je vous donne vraiment rendez-vous pour le suivant. Toutes les informations seront présentes directement dans vos bras si vous restez abonné à la chaîne de la MC4 Team. Encore une fois, pour cette map, on remercie grandement Tutur qui nous a fait en une petite après-midi une petite map sympatoche qui je le trouvais absolument génial, mais bon, c'est tout relatif, hein. Je suppose. Il faudrait demander à un expert. Hop, je passe en height et du coup. Quand je dis on attend une parole d'expert, ça veut dire que c'est à toi de parler. Mais il faut que je dise quoi ? C'était bien. Non, ça va, elle est pas dégueu. Pour un après-midi de travail, ça va. Ah, pas très bien. Donc j'espère vraiment qu'on... J'espère qu'on aura vraiment l'occasion de recollaborer et de faire de nouveaux events encore plus dingues avec encore plus de gens. C'est vous qui pouvez venir. Donc je compte sur vous. Restez abonné à la chaîne. Il y a Minecraft c'est offert. Il y a les MC4 Play. Il y a tout le reste. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB. Salut. Au revoir. Bye.